J'ai pas produit les vases, mais j'ai produit un concept d'exposition, une pensée. Alexandre Joly est un artiste plasticien qui utilise plusieurs médias, mais il a une première formation de céramiste. L'atelier nous sert de laboratoire. C'est là où on teste les choses. Nous lui avons proposé d'investir le sous-sol du musée avec une exposition qu'il allait concevoir. Ici, ça a pris cette tournure particulière parce que l'espace méritait une réponse in situ. On a ces arches, ces voûtes, on a l'impression d'être dans un temple. C'est vraiment particulier. La règle du jeu, c'est qu'il devait jouer avec les collections du musée Ariane. Il a décidé de mettre son installation dans les arches du sous-sol et en fait, pour la première fois dans une exposition, l'espace central, qui est l'espace majeur d'exposition, est vide. Je trouvais que les vases avaient le potentiel le plus intéressant. J'ai choisi que des formes rondes, aucun vase contemporain, plutôt l'Asie, donc des vases japonais et chinois. Les vases sont placés dans ces capsules et se reflètent à l'infini. On est presque aspiré. Ils sont éclairés par leur propre motif qui crée un tunnel, une perspective. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément de voir l'objet se démultiplier, c'est plutôt d'avoir cette possibilité de pouvoir observer l'objet sous différents angles. C'est l'objet, son fantôme, son aura. C'est une impression à la fois de cosmos, d'étendue, et puis de quelque chose qui se resserre, qui est assez intime. Le mouvement lent des vases qui tournent appelle à un état contemplatif particulier. Chaque vitrine fonctionne comme une hypnose. Ça fait un espace qui est émouvant. Il y a en plus le son qui vient nous concentrer, comme si on était vraiment dans quelque chose à la fois magique, privilégié, l'infiniment petit et l'infiniment grand qui se mélangent. Avec Daniel Zea, le compositeur qui m'a assisté pour le projet, on a aussi enregistré des sons en percutant les vases, en frottant les vases avec un archet. Au final, ces notes fluctuent librement, s'autogénèrent dans le temps. Le lieu répond très très bien à l'idée, donc ça c'est très excitant. Ces notes donnent une certaine émotion à l'espace ici.